ce Funding Roadshow, c'est une très belle opportunité de rencontrer des investisseurs qu'on ne connaissait pas et de revoir certains aussi qu'on connaît déjà. Puis également une belle opportunité pour nous de refaire à nouveau notre pitch et de l'améliorer constamment. Moi, je travaille dans la BDC côté financement. On fait un peu moins de démarrage, un peu plus de compagnies existantes. Cependant, il y a 3 ou 4 compagnies qui m'ont intéressé. Je vais faire suivi avec. Je pense qu'il y a un potentiel, soit maintenant ou dans le court terme. J'ai adoré mon expérience ici au Funding Roadshow. Sérieusement, c'est un petit peu stressant, mais je pense que des fois, c'est bon de se pousser en dehors de nos limites de confort dans la vie puis de continuer d'aller de l'avant. Donc, c'est pour ça que j'étais ici ce matin. Puis c'est une expérience réussie pour moi et ma compagnie. Oui, il y a des investissements potentiels. C'est sûr qu'on ne peut pas vraiment décider si c'est vraiment intéressant dans 5 minutes ou c'est 10 minutes, mettons, grand max qu'on a passé avec l'entrepreneur. Mais oui, il y en a quand même plusieurs qui avaient un beau potentiel, des choses à creuser davantage. Peut-être demander des rencontres un peu plus de longue durée là, avec les entrepreneurs pour discuter la chose davantage. On a sorti de notre zone de confort puis on était très contents d'avoir cette opportunité-là. De rencontrer très tôt dans notre stage, dans notre avancement, je devrais dire, d'avoir la chance de rencontrer des investisseurs dans le milieu des technologies et tout ça. Donc, je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir ce genre de plateforme-là dans l'écosystème des startups et on apprécie énormément l'opportunité d'être ici. Donc, définitivement, quelques cartes d'affaires qui sont échangées là, qu'on va rappeler cette semaine. Je pense que c'est une expérience effectivement très enrichissante. J'ai eu beaucoup de feedback de la part des jurys. Je vais intégrer ça justement à toute ma prochaine présentation.